Bonjour et bon dimanche à tout le monde. Alors, sur les réseaux sociaux, si vous critiquez une personnalité, au pire, qu'est-ce qui... Bon, elle peut vous bloquer, donc ça, on s'en fout un petit peu. Vous pouvez créer plusieurs comptes, donc de ce côté-là, on s'en fout un peu. Par contre, à la radio et à la télé, si vous critiquez trop, donc, je sais pas, votre chaîne ou le président du groupe, etc., etc., eh bien, comme Bertrand Chamerois, eh bien, vous pouvez vous faire virer de la radio. Idem pour Sébastien Thoen, bon, qui avait un petit peu fait un petit sketch un peu rigolo sur Pascal Praud. Idem pour Stéphane Guy, qui avait fait un coucou pour le licenciement de Sébastien Thoen, donc il a été viré aussi. Pierre Ménez, donc lui, c'est bon, il n'a pas vraiment été viré, mais bon, le problème qu'il a eu avec les mains aux fesses dans le groupe Canal, donc bah, lui aussi, donc il a été remercié, donc ils lui ont donné plein de sous-sous, donc bon, il va sûrement rebondir, mais on ne sait pas comment ni où. Et puis, idem pour bah, Nagui, bon, Nagui n'a pas été vraiment viré, mais bon, il était en désaccord avec la maison de prod, tout le monde veut prendre sa place, donc il a été remercié et remplacé par Laurence Boccolini qui en ce moment est en train d'enregistrer donc les émissions et donc à partir de mi-août, voilà, donc elle sera là dans ce nouveau décor et puis il paraît que le début des questions vont changer, mais bon, je pense pas que ça va donner un peu plus de valeur au jeu, donc après les goûts et les couleurs, c'est à vous de voir. Et puis là, comme on a pu voir justement hier, eh bien 2,8 millions, quand on voit que la semaine dernière l'émission était tombée à quoi, était montée plutôt à 3,7 millions, il y a 1 million de personnes qui ont disparu. Ils sont où? Ils sont où? Donc voilà, bon, bah, une petite pensée à tous les virés de 2021, et puis bah, il y en a encore pas mal qui vont sûrement se faire virer avec l'arrivée de Bolloré, donc à Europe 1 et Canal+, etc. Bon, bah sinon, moi je vous dis à tout à l'heure pour mon résumé des 12 coups de midi. Allez, à tout à l'heure, bye bye.